Hell Jones, c'est énorme d'aller vous dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire le portail de GTA 5 sur Minecraft. Donc avant de commencer réellement la vidéo, je vais te mettre un like. On vise les 5000 pouces bleus pour cette vidéo. Je sais que moi ça va être impossible. Ouais, bon, pour ça on va enlever juste un 0 puis ça sera bien. 500 combien pouces bleus. 500. Non, quand même. Non, 250. Bon, en tout cas voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Bientôt les 100 000 abonnés, merci à tous, je vous prépare du lourd, donc abonnez-vous à la chaîne. Et aujourd'hui bah du coup on va vous parler de la petite map qu'Awariz a donc créée, parce que voilà c'est Awariz le créateur de ce portail. Donc juste avant d'aller dans le portail, je vous invite à me mettre dans les commentaires des prochains portails, des prochaines choses où est-ce que vous voudrez qu'on arrive. Donc par exemple voilà, là on est sur GTA, mais puisque vous voulez Clash Royale, peut-être que vous voulez, je sais pas, Spider-Man, même si ça a déjà été fait chez Awariz. Dites-moi plein de portails que vous voulez qu'on fasse, comme ça on aura des idées. Et puis voilà, donc vas-y Awariz, je te laisse commencer ce portail. Ouais bah comme d'habitude. Expliquer un petit peu comment le faire tout ça, donc voilà. Comme d'habitude on fait le portail du Nether, tac. Voilà, donc en obsidienne jusqu'à la reine, bien simple, je pense qu'on entoure de vert, c'est ça? Blanc, non? Ouais, faut juste dans les angles, faut un bloc de béton blanc. Genre comme ça, non pas autour, il est con. C'est dessus. Putain, j'ai jamais fait de portail lui, hein. Fou là là. Comme ça. À part le portail du Père Noël. Voilà. Derrière la main. Ça ressemble à un truc comme ça. Ok. Tac. Vas-y, fais en haut. Hop. C'est bon, voilà. Donc, le portail a été fait. Donc, il ressemble à un truc comme ça. Donc, on va ensuite l'allumer. Voilà, donc tu l'as fait avant. Ouais, bah. Et bah, normalement, tout est prêt, je crois bien. Ah, c'est donc, parti. On va dans le monde de GTA, c'est parti, let's go. Ok. Donc, première fois que j'y vais, attention. Ah ouais d'accord, on arrive sur GTA, attends, dis pas où est-ce qu'on est, je vais essayer de deviner. En tant qu'ancien joueur de GTA il y a un an. Même moi presque un an, ouais. Oh non, attends non. Je vous mettrai des photos un peu de tout ce que j'ai mis, c'est plusieurs non, éléments. Non les gars, avant, avant que je dise c'est quoi, mettez tous pause dans les commentaires et dites-moi où est-ce qu'on est. Oh non. Non, mettez pause dans les commentaires et dites-moi qu'est-ce que c'est. Et je me fais vigile. Allez, les 100 premiers qui trouvent, je leur fais une petite dédicace et je réponds à leur com. Vas-y, on y va. Ouais, vas-y, go. Allez, mettez pause à la vidéo, je laisse 5 secondes. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ok, parti. Bon bah c'est bon, vous êtes deviné, ou pas peut-être. Ou pas, ouais. Ne trichez pas par contre. Donc je dirais rien de où est-ce qu'on est. Vous devinerez bien par vous-même. Ah ouais, tu veux pas dire où on est. Donc voilà. Si, je dirais à la fin. Ok, vas-y, dès qu'on sort. Là, ok. Enfin, dès que je vois vraiment que c'est cramé, tu vois. Bah là, ouais, c'est cramé. Là, c'est, trop... c'est bien fait, hein. Oh, tu te retournes, c'est cramé direct. Là, c'est le DJ. Ouais, mais tu peux pas y aller en fait sur GTA. Tu le vois dans la map. Tu le vois dans la map, mais il y a un DJ. J'ai regardé avant pour le faire. Attends, ici, non, il y a pas des salles là. Bah, tu sais, c'est le distributeur. Hein. Mais si, c'est le truc qui, ah, non, qui bah, vend les billets. Non. Les salles, c'est pas là. Ouais, ouais, c'est là. Vas-y, Twinner, oh, fais non, ton show. Hardcore. Vas-y. Ouais, vas-y, assis-toi. C'est vraiment vas-y. Qui danse. Danse. Si c'est toi, tu danses. Vas-y, danse. Non, vas-y, danse toi. Je viens de te regarder. Mets le skin de Alex. C'est où ça? C'est dans skin standard. Non, non, mets le skin Steve Boxer. Dans skin standard, tu vas vers la droite. Il y en a un qui s'appelle Boxer. Il est à Walp. Oh. Tu vas voir. Si. Ouais, et enlève ton armure peut-être. Parce que là, ah oui, c'est vrai que là, ça va faire. On va pas profiter des bonheurs de la. Wow, c'est quoi ça? C'est quoi, c'est ouais, c'est bon, on arrête. Ok, ah bon, ok, vas-y. Oh putain! Allô? Oui, c'est bien moi! Vas-y, twerk! Bon, vous aurez deviné, voilà, maintenant je vais vous dire, on est dans le club de strip. Voilà. Jeez. Ouais. Bon, normalement, le truc de danse là, il va jusqu'au fond, tu sais, après il fait comme un thé, mais genre après ça allait être trop grand, il y en aurait pas assez, il y aurait trop de place pour faire les salles, et ça aurait fait un peu moche. Ici je me rappelle c'est l'endroit, je crois que tu commençais quand tu te mettais là, après tu pouvais te mettre ici et donner des billets. Genre tu pouvais balancer un billet ou plein de billets je crois. Et il y avait plein de femmes de partout. T'avais des femmes. Tu balançais un stack comme ça. Ouais voilà. Bon en tout cas. Vas-y, donne-moi de l'argent. Donc ça, j'ai bien reconnu. Voilà. Attends là-bas, donc tout ça c'est des salles normalement. Même que t'es pas surveillé par un mec et genre à côté un peu. Ouais ouais, t'as le vigile dans les couloirs, il regarde un peu, t'as vu. Ouais ouais. Et regarde si tu tripotes pas tout. Du coup je vous laisse aller sur GTA, aller voir le striptease pour les bon, plus grands. Du coup je vous laisse aller dans GTA 5.
si vous avez l'âge, bien sûr, faut avoir 18 ans, voilà. Hein. Je vous mettrai des images du vrai, enfin de la vraie image de GTA, par exemple, la devanture du club de striptease, plus le truc du ouais, GTA. Ouais, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous avez reconnu cette map, donc voilà. Personnellement, j'ai reconnu directement. Alors ici, c'est le truc pour mettre les conteneurs de camions, je crois, un truc comme ça. Où ? Enfin, j'ai pas trop traîné vers ces coins-là, en fait. Tu sais, moi, je suis pas trop un mec comme ça. Là, tu regardes, tu vas tout droit. Moi, je traînais plutôt vers... quand je jouais à GTA, je traînais plutôt genre sur GTA Online. Les carrés noirs, ça représente des armes, hein, parce que tu peux pas Minecraft. C'est l'ammunition. Ammunition. C'est quoi, ça ? Bah, c'est l'ammunition. Non, c'est le magasin d'armes. Bah, c'est l'ammunition, fils de pute. Oui, mais moi, je dis ça pas, c'est comme ça. Et là, t'as le truc de tir, là, stand de tir. Oh, ouais, vas-y, viens, on prend les arcs et on tire. Ouais, mais tu veux tirer sur quoi ? Attends, les arcs. Hop. Tire hop. Sur le vert et le rouge. Premier kill. Oh ! On est trop bon. On s'en fout. Oh là, j'ai fait plus que toi. On a fait un s'en fout. C'est normal, t'es plus rapide. Vas-y. Moi, je vais. Pium. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de la map. Mettez une petite note sur 20. Voilà, tous ceux qui sont encore dans F2, vous mettez hashtag 1. Et vous mettez une note sur 20, voilà. Donc ici nous avons un truc d'essence, je crois. Ouais, c'est une petite pompe à essence. Enfin, pour ceux qui jouent à GTA à l'ancienne, vous rappelez, j'espère que vous vous rappelez. Attends, est-ce que t'as enlevé la sauvegarde? Attends, je regarde ça. Dès la sauvegarde, c'est bon, j'ai enlevé. Okay. Donc regardez, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, fallait tirer bien sur les conteneurs. Enfin, on tirait bien sur le truc à essence. Après, et s'exploser. Et après, t'as une keuf. Dites-moi si vous voulez un tutoriel pour faire les pompes à essence comme ça, avec le petit truc pour verser et tout. Ça pourrait être plutôt pas mal. Ou pour un top 5 ou un truc comme ça. Wesh, merci. Alors ici nous avons les magasins des packs là. Qu'on braquait. Ici il y avait les packs et ils nous donnaient 10 balles. Ah bah tiens, tu fais bien le pack. Et chaque fois quand tu te retournais sur quand genre tu le regardais et que genre dès que tu te retournais bah lui il sortait son arme. Ouais, il allait dans le petit local ici que j'ai pas fait parce que sinon ça allait être trop grand. Ou sinon j'ai fait à porte. Quand tu menaçais bien, il se mettait et tu le tuais. Moi personnellement, je le tuais tout le temps. Ou sinon je tuais, t'as vu, oui, je tirais à côté là, tu sais. J'étais avoir une étoile de plus, je le tuais. Moi je faisais hey fuck you, give me the money bitch. Look à ce que je fais à ta maison, bâtard. Moi je le tuais, ensuite j'allais vers la caisse et je faisais flèche de droite pour prendre l'argent. T'es en train de niquer tous les pompes. Dites-moi aussi pour ceux qui jouent à GTA, qu'est-ce que vous faisiez vous? Est-ce que vous tuez le mec qui vendait des armes, enfin de la bouffe, ou alors vous le braquez? Lui aussi pouvait donner l'argent. Est-ce que vous le braquez en lui donnant pardon. Est-ce que vous le braquez sans le tuer, mais genre en le menaçant, en le tirant un peu partout? Est-ce que vous le tuez puis après le braquez? Bon, dites-moi ça dans les commentaires pour savoir un petit peu. Et puis voilà quoi. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite map vous aura plu. Avoir eu, je trouve, était vraiment pas mal. Donc moi, je te mets un sur la map. Franchement, je te mets en sachant que quand même, elle est vraiment balèze par rapport au club du Sceptis. Tu vois, j'ai reconnu direct instantanément. Ouais, ouais. Tu vois, je suis arrivé, bim. Après, direct. Et puis là, c'est le mec qui genre il était devant et puis si tu faisais de la merde, t'as arrêté direct. Ouais, de ouf. Aussi, non, mais de toute façon, quand je jouais à GTA, tout le monde le tuait lui avant d'entrer dans le club des striptease automatiquement. Ouais. Si c'est une virée direct. Après, là, ici, t'as vu, t'as le Los Santos Custom là où il y avait le portail. Mais genre, en fait, c'est difficile parce que le Los Santos Custom, t'avais les écritures au-dessus. J'ai essayé de représenter. Bah, vous verrez, je mettrai une photo à l'écran. C'est vrai, le Los Santos Custom. Et je mettrai une photo à l'écran, mais c'est difficile aussi. Ouais, avec le petit logo bleu et tout, enfin vous allez voir sur l'image sur l'écran, mais c'était difficile de le refaire. C'est difficile. Franchement, merci. Bah après, donc, au début, je voulais faire d'autres choses, mais bon. Moi je pense que je mettrais un. Moi je lui mettrais au moins 17, je pense 16, 17, c'est bien. Merci. Ça a l'air d'être pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais petit distributeur. Ouais, 17 c'est quand même très bien, hein, je pense. Donc voilà, c'est en tout cas, n'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires. Voilà, faites vraiment une vraie note, tu vois. Vous mettez pas 1 million sur 20 parce que ça revient à 20. 20 sur 20. Mettez vraiment une note critique, tu vois. Enfin, genre critique, genre. Quand je dis critique, c'est genre. C'est pas genre tu lui mets 0, mais. C'est genre critique, tu vois. C'est une vraie note que tu donnerais vraiment si tu voyais cette map, quoi. Puis ce petit commentaire, ça m'intéresserait. Et puis vous mettez un petit commentaire, et puis voilà. Et des idées de portail aussi, c'est ça qui est le plus important, c'est de donner des idées de portail parce que c'est ça qui fait en sorte que je puisse avoir des idées. Vas-y, attends, vas-y.
Enfin, on est dans le monde réel. On quitte le monde de GTA, je pense, attention. Bye bye GTA, I love you, your okay. game. Voilà. Ok. Ok, bon bah voilà, on se retrouve dans la maison, voilà. Hop, par contre, tu vas éviter de me tirer dessus. Vas-y, vas-y. Donc en tout cas, j'espère que ce portail vous aura plu. Je vous rappelle une dernière fois avant la fin de la vidéo. Donc on était sur le club de striptease de GTA. Donc je viens plus, c'était vers Franklin, non ça. Je sais pas, c'était en pleine ville ça. Non, je sais pas, ça me semble ça. Mais ouais, mais il y avait une maison de. Ouais. C'était pas trop trop loin. Il y avait une maison de quelqu'un, mais pas trop loin. Tu sais, au début, je voulais faire quoi? Je voulais faire la Maze Bank et tout, mais la Maze Bank était putain difficile à faire. Ouah, t'es sérieux, tu voulais faire la grosse tour là? Ouais, mais ah, ouais, ouais, c'était chaud à faire. Et j'ai commencé, j'ai dit, ah non, c'est bon, c'est tranquille, c'est trop dur. Bon bah ça... voilà, moi je trouve qu'elle était vraiment très mal. T'as pas vu ça, putain, désolé, je suis en train de bailler. Ouais, je vois ça. Non, bon. Bientôt les 100 000 abonnés, merci beaucoup. Et voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à celle d'Arbariz. Merci, merci. À la prochaine. Ciao tout le monde.